Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera un test sur un jeu qui est sorti fin d'année dernière. Il s'agit du Nickelodeon All-Star Brawl sorti sur PS4. Donc moi je l'avais trouvé au solde pour une dizaine d'euros. Mais j'avais été quand même assez surpris de voir qu'il était déjà en promo vu qu'il est sorti octobre 2021. Donc je me suis dit allez on va se le lancer. Alors déjà pour vous donner un petit avis global sur le jeu, c'est pas un mauvais jeu. C'est plutôt sympathique sans être incroyable. Donc c'est une sorte de Smash Bros like en fait tout simplement. Donc des arènes, on peut jouer jusqu'à 4 dans une arène. Et puis le but c'est de l'éjecter quoi. Donc vraiment un Smash Bros like. Alors déjà niveau personnage, je trouve quand même qu'il y a du choix puisqu'il y a à peu près une vingtaine de personnages. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Le problème pour moi c'est que je dois pas être la cible parce qu'il y en a beaucoup que je connais pas du tout. Donc évidemment on a les tortues ninja, on a du Bob l'éponge, on a du Avatar, on a plein de choses, et Arnold, Erasmoquette. Le problème c'est que on a peut-être un personnage de chaque univers. Par exemple les tortues ninja on en a que deux. Au niveau de Bob l'éponge, on a que Bob et Patrick. On a aussi, on a Sandy aussi, donc ils sont trois. Mais par exemple, Erasmoquette, il n'y a que Reptar. Ou et Arnold, il n'y a que Edgar. Donc voilà, moi malheureusement, je ne m'y suis pas retrouvé parce qu'il y a plein de persos que je connais pas du tout. Du genre Danny Phantom, du genre les Loud, ce genre de trucs. Moi, c'est des persos qui ne me parlent pas du tout. Donc voilà. Après, il y a quand même pas mal de persos, mais il faut vraiment être habitué au Nickelodeon, surtout les récents, c'est pas trop pour les enfants des années 90. Toi. Niveau jouabilité, donc ça par contre, il n'y a rien à dire, c'est vraiment sympa, ça joue bien, c'est réactif, c'est facile à prendre en main, il y a des petits combos, des petits coups spéciaux, enfin il y a de quoi faire. Par contre, niveau, on va dire, contenu, donc malheureusement, c'est là que le bas blesse, il n'y a pas grand chose à faire par le fait, une fois qu'on a essayé un peu tous les personnages, qu'on fait un mode arcade à chaque fois avec un personnage, voilà quoi, ça s'arrête là. Donc le mode arcade en fait c'est une succession de plusieurs combats, un peu comme dans les Mortal Kombat et ou dans les Smash Bros d'ailleurs et ça aussi, et on bat plusieurs ennemis et puis à la fin il y a un temps pour avoir tout fait avec des niveaux de difficulté variés. Il y a un trophée pour faire tous les persos, je l'ai fait mais franchement ça m'a pas passionné, compter à peu près 5-6 heures pour tout faire et franchement c'est bien payé. C'est dommage, franchement ils auraient mis un petit peu plus de perso et peut-être un ou deux modes, style un mode histoire ou quoi. Franchement ça pourrait être vraiment un très très bon jeu. Là c'est plutôt moyen, donc ça vaut une dizaine d'euros très honnêtement si vous le trouvez. C'est plutôt cool si vous voulez faire des petites parties le soir comme ça à plusieurs, entre collègues ou avec vos enfants par exemple. Ça ira très bien. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, allez salut.